Bien. Thank you.
Alors, je vais essayer d'arracher d'abord quelques mots à Henri Lacroix. Ça va pas être facile, à mon avis. Henri, la dernière fois, c'était en 2018. 3 ans ont passé. Il y avait plein de questions qui se posaient. Et puis, la France est toujours là. Oui, mais je vais pas pouvoir dire grand-chose. J'ai qu'une seule pensée aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mon père. Tu ne me l'avais pas dit, ça. Tu ne l'avais pas dit. Alors, Henri, j'espère que tu ne seras pas vexé. Je vais enchaîner avec une question. J'espère qu'Henri, ça ne te vexera pas. Une question avec le meilleur pointeur du championnat du monde, Philippe Suchaud. Philippe, voilà, c'est fait. Ça a été dur dans la souffrance, mais c'est fait. C'est fait, ça fait plaisir. Et surtout pour mon Fifi qui doit arrêter. Moi, je ne sais pas encore. Je prendrai ma décision un peu plus tard. D'accord. Philippe, est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot sur cette dernière main? Parce que je t'ai interviewé avant la demi-finale. Je t'avais demandé s'il y avait eu un doute contre l'Italie. Là, je pense que ça a été quand même plus dur dans la tête. Ça a été plus dur, surtout que je pense qu'on peut finir la partie un peu avant. Et voilà, le tir. Bah, oui, un peu avant. Mais bon, écoute, on a su se retourner et gagner, donc c'est bien. Voilà. Le Suchaud Time, ça existe vraiment finalement? Je sais pas, c'est un accident, je pense. Alors maintenant, un mot avec Dylan Rocher. Dylan, hier, tu avais fait un magnifique effort au niveau du tir de précision. Tes camarades avaient encore besoin de toi aujourd'hui. On t'a vu comme avec une hargne que jamais on t'avait connue. Oui, c'est vrai que j'avais envie de gagner pour tout le monde, pour l'équipe, pour Philippe. Et ouais, j'ai vraiment tout donné. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a gagné, ça fait plaisir. Voilà, je suis vraiment content pour tout le monde. Ouais. On va finir avec la petite séquence émotion. Philippe Quintet, c'était la DRDDR cette fois. Tout a commencé en 1990. En 1990, on est quelques années plus tard. Il y a eu entre-temps des petites pauses, mais cette fois-ci, c'était la bonne. Ah ouais, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais devenir leur premier supporter. Je vais les encourager partout où ils seront. Mais maintenant, ils vont faire sans moi. Et puis, ils n'auront pas de mal à me remplacer, je suis sûr. Sauf peut-être pour quand on ira manger. Il te tenait évidemment à cœur de finir avec un maillot arc-en-ciel. Ça pouvait pas mieux finir en présence de ta femme et de ta fille et de ton père. Ah ouais, j'avais toute la famille qui était là. C'est vraiment un bonheur absolu. Terminer sa carrière sur une victoire, je pense que tout champion de tout sport ne demande que ça. Voilà, ben moi, ça m'est arrivé. Maintenant, je vais pouvoir me reposer, aller à la pêche, aller aux champignons. Et puis, je regarderai la pétanque à la télévision. Voilà. Savourez pour la France, hip hip hip. Dernier mot avec le coach Bido. Ah non, non, personne dit ça. Alain, moi, tu es fier de tes hommes? Ah mais je suis fier de mes hommes. Il y a un moment, c'était un peu à la dérive. J'ai dit, les gars, le patron, c'est moi. Tu vas faire ça, ça et ça. Là, je ne savais plus où j'en étais aussi. Mais bon, la sortie, eh bien, c'était ma dernière aussi. Hein. Je vous signale quand même. Là, ben oui, ben c'est, il faut une fin à tout. Hein. Ça fait un paquet de championnats du monde aussi. Mais ceux-là, je ne pourrais jamais les oublier. De toute façon, ça, c'est sûr. Ça se termine de la plus belle des façons. Ah mais cette partie-là, c'est une partie vraiment, on n'a pas très bien joué. Mais quand tu les gagnes comme ça à l'arrache, ça veut dire que tu as quand même au fond de toi des choses qui ressortent et tu lâches rien. C'est ça qui est important, qu'un public a été merveilleux, que ce soit espagnol ou français, on s'est régalé. Est-ce que tu te vexes si je fais dire un mot au président de la fédération qui est derrière toi? Non, tu permets de te décaler? Monsieur Michel Lebot, fier des troupes? Ah ouais, non. Fier d'eux, mais franchement, ils ont failli me faire tomber en morceaux sur ma chaise. C'est la première fois que j'étais sur la chaise pour un championnat du monde. Franchement, fier d'Alain, fier de vous. Fier de vous, les gars. Merci. Votre émotion est belle à voir. Félicitations.